Salut les athlètes, c'est Jérém de GFIT. Et on se retrouve, on est dimanche matin. On est avec les copains, regardez. Salut. On est avec Gianni. On est avec FX. On est avec Titi. Regardez, ils ont pas le temps. Ils ont même pas le temps de se retourner. Ils sont en mode lièvre là. Et on est parti pour la reprise en trail. Après, pas loin de 10 mois je crois, sans courir dans une côte. Donc ça va piquer, on est parti pour à peu près 25 bornes. Mais bon, on sait très bien que ça va faire plus. On connaît Thierry. Donc voilà, on est sur rive droite de la Garonne, on est du côté de la Traîne. Et on va aller chercher 700-800 mètres de D+. Donc ça risque de piquer un peu. Et je vous emmène en balade avec nous. Aujourd'hui, nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes, les gars. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Magnifique. Tout va bien, les gars, tout va bien. Regardez-moi ce rythme imprimé par, par les canyons du trail. Tu viendras dans notre nuit, on va t'amener dans les côtes. Je peux pas y aller. Ok. C'est quoi ce chien un peu feignant là? Bon, pour cette sortie, les athlètes, je suis parti à Jeun avec une petite compote bio Aptonia au cas où, mais sinon juste de l'eau avec des électrolytes. Et bah Gianni a fait pareil, il est parti à Jeun. Tout va bien, pas les gars. Voilà, le jeûne intermittent c'est top, c'est la vie. Donc vous voyez, je vous raconte pas de conneries, on est deux au moins là. Donc sur nous deux, 100% il y a 100% de satisfait. Donc non, arrêtez de vous prendre la tête avec quoi manger avant une sortie. Vous pouvez de temps en temps sortir à Jeun. Évidemment, le faites pas du jour au lendemain. Emmenez toujours quelque chose avec vous. Une compote ou un gel, un truc qui est assimilé rapidement, au cas où vous avez une petite fringale. Mais sinon, franchement, vous risquez à peu près rien. Bon, nous, on continue, on a fait un peu plus de 10 bornes. Les métronomes sont toujours devant, là, les lièvres. Nous, on est tranquille en milieu de peloton. Enfin, en fin de peloton, parce qu'il n'y a personne derrière. On galère un peu dans les côtes. On est quand même devant la voiture balai. Ouais, mais on galère un peu. Les côtes, ça pique. Ah, on est dans les Pyrénées, ça y est. Regardez-moi ce sentier. Hyper sympa, mais hyper technique, un petit peu humide. Les roches, les cailloux glissent un peu. Bon, ça c'est des sentiers que vous allez voir régulièrement dans le vlog des prochaines semaines, parce que je vais beaucoup venir ici pour aller chercher du D+ en vue du GRP fin août. Mais ouais, ça va changer un peu de la route du GR tout plat. Ça va faire du bien aussi, ouais. Même si les premières côtes pour le moment, je vous cache pas qu'elles piquent. C'est bon. Le trail, c'est pas pour les grands de façon. Ça. Regarde quand même François Baleine. Bah, c'est l'exception qui confirme la règle. Et voilà, 21 bornes, 500 mètres de D+. On est bien. Moi, je les ai traînés tout le circuit parce que les mecs ils avancent pas, quoi. Ils avancent pas. Arrête de faire le cacou. J'ai mal. J'ai mal à mon corps. Non, mais regardez, regardez. Là, ils sont à peine. Titi et FX, ils sont à peine échauffés en fait. Là, je pense qu'ils vont repartir pour 2-3 boucles. Non. Et alors que Gianni et moi, on a qu'une envie, c'est se reposer. Voilà, donc petite sortie tranquille trail. On repart sur la prépa GRP
fin août. Et avant ça, il y aura quelques objectifs, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Portez-vous bien les athlètes. À très vite. Ciao, ciao.